Révoquons maintenant. Jetons feu maintenant. Nous jetons feu maintenant. Maintenant, proclamez ton cœur de chair maintenant. Nous mettons un cœur de chair. Vous mettez un cœur de chair. Cœur de chair de la part de l'Éternel. Nous mettons un cœur de chair. Maintenant. Un cœur de chair. Reçois. Un cœur rempli. Reçois. Rempli d'amour. Reçois. Rempli de reçois. Compassion. Reçois. Rempli de grâce. Reçois. Rempli de paix. Reçois. Rempli de bonté. Reçois. Rempli de gentil. Rempli d'amour pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Nous mettons ce cœur là dans sa vie. Nous mettons ce cœur là dans sa vie. Nous mettons ce cœur de paix là dans sa vie. Au nom de Jésus. Maintenant le Seigneur l'a rempli de ça. Le Seigneur l'a rempli. Puisque la parole dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Puisque toi tu ne peux pas venir puis sans voler son âme. Rempli de grâce. Rempli du fruit de l'esprit. Nous remplissons ce cœur là du fruit de l'esprit. Au nom de Jésus. La tempérance. La bonté. La bénignité. Au nom de Jésus. La paix. Au nom de Jésus. La charité. Au nom de Jésus. La grâce. Tout ce qui est fruit de l'esprit. Au nom de Jésus. Nous remplissons ce cœur là de cela. Au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, toi, Lucifer. Après la colère, tu as mis quoi encore? Qu'est-ce que tu as mis dans son cœur encore? Pendant que tu tapes, le feu descend sur toi. Parce que le feu descend sur toi. Il descend sur toi. Le feu du jugement. Le feu de ton jugement descend sur toi. Le feu du jugement descend sur toi. Et ça va sur toi. Tu as mis quoi encore? Tu as mis quoi maintenant? Lucifer. Par le nom de Jésus. Tu as mis quoi encore? Soulève ta tête. Où ta gueule parle? Soulève ta tête devant le roi. Des rois. Lucifer parle. Qui est comment on appelle? Qu'est-ce que tu as mis dans sa vie? Encore. À part la colère, qu'est-ce que tu as mis dans sa vie? Parle. Réponds. Parle au haut de voix. Parce qu'il est dit dans le livre. C'est ça, l'alliance est encore là. Maintenant, toi, Lucifer, ton alliance là. Nous allons arracher ça. Parce que Dieu n'a pas dit, il n'a pas tissé alliance avec un instrument. Nom de Jésus. Mais il dit dans Marc 14, verset 24. Nom de Jésus. Et il leur dit, ceci est mon sang. Il cache. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, y compris Péniel, pour Péniel aussi. Maintenant, toutes tes bagues de séduction. Nom de Jésus. Tu as mis sur ses 10 doigts. Nous plongeons nos mains dans le sang de Jésus. Nom de Jésus. Et nous les arrachons. Maman, arrache. Ça tombe dans le feu. Ça descend dans le feu. Arrachant. Le Père de cet esprit, nous plongeons dans le sang de Jésus. Nous déchirons tout ce qui est manteau de mariage. Les robes de mariage, nous déchirons. Déchirons tout ce qui est voile. Déchirons les voiles. Nous arrachons. Au nom de Jésus. Nous arrachons. L'amour de cet homme. Au nom de Jésus. Ça est dans le feu.
Nous arrachons le sang de Jésus. Au nom de Jésus, il doit nous dire beaucoup de choses. Comme nous savons que personne ne fait alliance avec toi sans signer de pacte, voici au nom de Jésus toute alliance que ses parents ont signée avec toi pour que tu puisses la posséder, ou même que toute alliance qu'elle a eu à conclure avec toi, si y a ou non, par le sang de Jésus, nous transposons tous ces décrets là ici maintenant. Au nom de Jésus. Et ça disparaît dans ton magasin, dans au ta nom bibliothèque. De Jésus. Au nom de Jésus. Ces décrets, nous les transposons là. Au nom de Jésus. Partout, là, tout ce que tu lui as fait signer. Au nom de Jésus. Nous transposons tout ici. Toute alliance qui existe entre toi et elle. Jésus. Voici ce seul document là. La Bible déclare que l'Éternel a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Mm-hmm. Voici ce acte là, Seigneur, cet acte là qu'il a condamné auprès de toi. Tous les documents qu'elle a signés, toutes sortes de documents possibles. Que ses parents ont signé, qu'elle a signé, qui fait que son nom est mentionné dans ta bibliothèque, dans ton document là-bas. Nous transposons tous ce document maintenant. Et voici, nous plongeons maintenant dans le sang de Jésus. Sang de Jésus. Père, tu es là, tu es témoin, le Seigneur témoin. Sang de Jésus. Nous plongeons dans son sang. Et maintenant, avec la droite de l'Éternel, nous brisons cette alliance. Nous brisons les fondements. Tu as dit que c'est ta femme. Or, la Bible déclare que nous sommes l'épouse du Saint-Esprit. Et c'est en vertu de ce décret-là maintenant que nous proclamons le divorce. Au nom de Jésus. Là où tu as ton carnet de mariage avec elle, nous transposons cela ici. L'acte de mariage, nous transposons cela ici. Au nom de Jésus. Toutes ces prononciations, au nom de Jésus. Nous transposons cela dans ce document. Au nom de Jésus. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous plongeons dans le sang de Jésus. Et voici l'acte de divorce maintenant. Nous déchirons l'acte de divorce. Proclamons le divorce. Je n'ai plus marié. Plus jamais. Je n'ai même plus un concubin. Voici, nous avons déchiré l'acte de mariage. Au nom de Jésus. Pour l'éternité. Lucifer, pour l'éternité, nous te divorçons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de lien. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de lien. Au nom de Jésus. Il n'y a plus de lien. Pour plus jamais revenir. Plus jamais de lien. Au nom de Jésus. Soulève ta tête. Au nom de Jésus. Soulève ta tête. Tu peux habiter dans ce corps sans Dieu. Maintenant, dis-nous tous tes points d'impureté que tu disposes contre les enfants de Dieu ici. Au nom de Jésus. Avant de partir. Parce que il est dit que tout est mis à nu. Oui. Tu fais quoi actuellement contre l'église ici? Toi, Lucifer. Tu parles maintenant au nom de Jésus. Quelle est ta mission? Parle au nom de Jésus. La gueule. Lucifer, il n'y a pas de paix pour les méchants. Tu sais ça. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Quelle est ta mission contre l'église actuellement? Réponds. Ouvre la gueule. Quelle est ta mission contre l'église, Jésus. Seigneur Jésus? Avec ta langue fouchue. Quelle est ta mission? Nous te donnons 3 secondes. Parle. Le volant, parle. Il vient pour dérober les nations. Ouvre la gueule. Le Léviathan. Ouvre la gueule. Toi, le Léviathan. Parle. Aujourd'hui. Ouvre la gueule et parle. Dis-le nous. Ouvre la gueule et parle. Qu'est-ce que tu as préparé au nom de Jésus contre cette nation? Quels sont tes plans? Tes plans. Quels sont tes plans? Parce que l'Éternel a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Et donc, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça vient de Lucifer. Au nom de Jésus. Quel est ton projet, ton complot que tu as? C'est par quoi tu veux agir contre cette nation? C'est par quoi tu veux agir? Hé! Soulève ta tête. Devant le roi des rois. Soulève ta tête. C'est quoi? C'est par quoi tu veux agir contre les enfants de Dieu pour couler le sang? Hein?
parce que tu es un buveur de sang. C'est par quoi tu vas agir. Hein? Pendant que tu tapes, nous retirons ta main. Au nom de Jésus, c'est par quoi tu veux agir contre moi, contre les enfants de Dieu. Ta main, c'est 6. Le nom, c'est 6. C'est par quoi tu veux agir. Nous retirons tout ce qui est marque. Hein? Nous retirons maintenant. Hein? Nous retirons maintenant. Parce que tu es jaloux des enfants de Dieu. Tu retires cette de ce que Jésus a aimé ce monde. Je retire la main de la sédition. Qu'est-ce que je retire tout ce qui est marque. Qu'est-ce que je retire maintenant. Je retire maintenant. Qu'est-ce que tu as préparé comme complot. Et maintenant, je prie le nom de Jésus-Christ. On reçoit Jésus-Christ. J'ai pris le nom de Jésus. 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 A mis sa main. Il a mis son nom sur son front. Oh, maintenant, elle est marquée. 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 Maintenant, toi-même, tu te dénonces. Tu te dénonces. Tu te dénonces. Tu te dénonces. Tu te dénonces maintenant. Tu ne peux plus cacher quelque chose parce que tes pensées sont exposées. Lucifer, non. Là où tu as mis son âme, regarde. L'âme, tu as mis son âme. Nous allons atterrir. Nous allons atterrir sur ton hôtel. Nous allons atterrir sur ton hôtel. Et nous atterrissons maintenant avec le bateau du Saint-Esprit. Nous atterrissons sur ton hôtel maintenant. Nous brisons l'hôtel. Il apparaît maintenant. L'âme qui appartient à Jésus-Christ. Elle sort de cette tombe. Nous roulons la pierre. 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 Et nous crions maintenant. Péniel, sors! Péniel, sors! Péniel, sors! Péniel, sors! Péniel, sors! Elle sort maintenant. Elle est encore liée. Nous allons prendre l'épée de cet esprit. Nous plongeons dans le sang. Dans le sang de Jésus. Et nous la délions. Nous la délions. Nous coupons les bandes. Nous coupons les fils. Nous coupons les chaînes. De sept ans. Au nom de Jésus. De sept ans. Maintenant. Elles sont décapitées maintenant. Au nom de Jésus. Elles sont décapitées maintenant. Au nom de Jésus. Elles sont décapitées maintenant. Au nom de Jésus. Tous ces chaînes sont décapitées maintenant. Au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Détruisons les chaînes. Les chaînes sont rompues. Au nom de Jésus, à ses pieds. À ses reins. Faut rompre. Le marteau de cet esprit. Brise ses chaînes à ses reins. Brise à sa hanche. Au nom de Jésus. Elle est déliée maintenant. Entre maintenant. Béni reçois ton âme maintenant.
Reçois ton âme maintenant. Ton âme à Fontanelle. Nous scellons maintenant. Sang de Jésus. Scellons dans le sang de Jésus. Scellons maintenant dans le sang de Jésus. Maintenant, là où tu as entouré ces étoiles. Ces étoiles. Nous allons descendre là-bas. Sa vie de prière. Sa vie de prière. Son mariage. Ses finances. Ses biens. Son enfantement. Tout ce que tu as enterré, même. Nous descendons encore dans cet homme. Nous descendons dans cet homme. Maintenant. Nous saisissons le manteau du Saint-Esprit. Maintenant. Plongeons même dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alors c'est pour toi que ce feu a été préparé. Vas-y. L'abîme a été préparé. Maintenant tu sors avec la malédiction. Regarde. Sors de là. Adresser la fenêtre de Nebuchadnezzar. Sors de là. De toi maintenant. Sors. Le chauffeur même. Au degré supérieur, à 10 degrés. Nous réchauffons maintenant. Regarde, nous dressons cette chaîne devant toi. Nous te jetons dans la fournaise.
Maintenant, même, tu brûles maintenant. Tu brûles maintenant. Seigneur, tu n'as pas, tu n'as plus le pouvoir. Oh, ça va, ça va, ça va, ça va. Oh, vas-y. Et c'est malheureux, le voleur, ça va. Le voleur, ça va. Ça va. Le voleur, ça va. Déa. 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 Ça. Déa. 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 L'homme à la vie, l'homme à la vie, le fait de descendre, une malédiction. Le fait de descendre, le fait de descendre, le fait de descendre, la pauvreté, descendre maintenant, tu ramasses la mondanité, enlève la mondanité, vas-y, sors de ce corps. Avec c'est tout ce que tu as amené. Parce que l'alliance a été rompue. Avec tout ce que tu as amené. Au nom de Jésus. Maintenant. Tu sors maintenant. Va-t'en. Tu sors maintenant. Va-t'en. Et le sang de Jésus remplace dans ce corps. Va-t'en. Il remplace dans ce corps. Va-t'en. L'Esprit de Dieu vient habiter dans ce corps. Va-t'en. 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 Et vas-y, pose ta grille et tu tombes sur ton dos. Tu tombes sur ton dos. Nom de Jésus, le Seigneur te touche. T'en vas. Le Seigneur te touche. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de l'air de mariage. Alors tu sors maintenant. Il est écrit dans le livre de Jean 8, à partir du verset 1. Il dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Habiter ce corps, habiter ce temple, car la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Nous allons dire au Seigneur Jésus, si il a vraiment délivré sa servante de l'esprit de Lucifer, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 3, au verset chapitre 17, il dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu a détruit les œuvres de Lucifer et ses démons. Et maintenant, il dit, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. C'est ce qu'est Pénière, Saint-Esprit de Dieu. Voici ton temple. Voici ton temple. Oh, si elle est vraiment libérée de l'esprit de Lucifer, viens remplir ton temple, car maintenant elle est sanctifiée. Ton temple est sanctifié. Toi-même, remplis-la. 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 Remplis-la, 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 Saint-Esprit de Dieu, remplis ton temple, remplis ton temple, remplis-la, remplis-la de ton feu, remplis-la de ton feu, de ta sainteté, de ta présence, de ta présence, remplis-la, 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 remplis-la. Remplis-la, 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 remplis-la de tes grâces. Remplis-la maintenant, ô Saint-Esprit de Dieu. Remplis ton vase, remplis ton vase, remplis ton vase, au nom de Jésus, afin qu'elle soit débordante, Seigneur de ta puissance. Le super encore, tu es encore, tu démets dans ce corps. Ce corps n'est pas capable, tu es un poulet. Tu es encore là. Tu es encore là. Quelle la malédiction tombe sur toi. Dans Lucifer, tu es encore là. Sur toi maintenant. Tu t'appuies sur quoi pour être là encore? Le livre de la malédiction retombe sur toi. Le livre de la malédiction, nous proclamons le livre de la malédiction sur toi. Ça retombe 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 sur toi. Ça descend contre toi. Descends contre toi. Ça te pénètre. Descends contre toi. Ça te possède. Descends contre toi. Et tu deviens. Descends contre toi. Et tu deviens maudit. Ces malédictions s'attachent à toi, Lucifer blanc. Nous allons appeler les quatre au nom de Jésus.
les quatre formes du rock. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, maintenant c'est base. Au verset 18 à 21. Il dit, je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait quatre cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, qui ont dispersé Péniel, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir quatre forgerons. Oh, je dis, que viennent faire? Tu fais? Et il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Judas, tellement que nul ne lève la tête, de telle sorte que Péniel ne peut pas lever la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations. Qui ont encore levé la corne contre le pays de Juda, contre la maison de Dieu, afin d'en disperser les habitants, afin d'en disperser. C'est pourquoi les quatre fois du roi descend maintenant. Descends maintenant. Ça va, descends-toi. Il descend. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi vous dit ces problèmes, ce problème, proverbe dans le pays sur la vie de Péniel? Les pères ont mangé des reins frères.
et les réserves et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, l'Éternel est vivant, dit le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous n'aurez plus le lieu de dire ce proverbe sur la vie de Éliel. Il dit quoi? Voici, tous les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père. L'une et de l'autre. Et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Regarde, ce sont tes parents qui pêchent. Par la colère. C'est pas Éliel. Ils sont ses parents. Ce sont ses parents. C'est eux qui ont péché. En allant faire une alliance avec lugubre toi. Avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, mais dis-toi, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Il est tout contre eux. Il est tout contre eux. Il est tout contre eux. Au nom de Jésus. Il n'y a pas qui a péché. Dans la présence, c'est l'âme qui a péché qui mourra. Tu mets sur le compte de Jésus. Alors, sors de sa vie. Ce n'est pas qui a péché. Si le Péniel doit tes doigts te sort, aujourd'hui me tourner sur le bon sort. Tu sors dès maintenant. Tu sors. Tu sors dès maintenant. Sors. Tu sors dès maintenant. Sors. Tu sors dès maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors. 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 Pendant que tu pars, tu pousses tes cris. Pendant que tu pars, tu pousses tes cris. Pendant que tu pars, tu pousses tes cris. Pendant que tu pars, arrête tes cris. Tu pousses tes cris. Sors de ce corps. Tu pousses tes cris. Sors de ce corps. Tu pousses tes cris. Sors de ce corps. Tu pousses tes cris. Tu pousses tes cris. Sors au nom de Jésus. Pousse tes cris. Sors au nom de Jésus. Pousse tes cris. Pas. 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 Sors. Tu pousses ta pied, tu pars. Sors. Tu pousses ta pied, tu pars. Arrête ta vie. Sors de maintenant. Sors de maintenant. Sors de maintenant. Sors de sa vie. 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 Il n'y a plus de deuil. Au nom de Jésus, regarde. L'épée est écrit. Il est écrit. Dans le livre d'Ézéchiel. Le Seigneur Jésus. Ézéchiel. Il vient avec ses combattants. 21 page verset 14. Il est chassé. Quoi? Chassé, la parole de Dieu est chassée, adressée à ces mots. Il est pur. Le fils d'homme, le fils est dit, dehors. Parlons l'Éternel. Dehors. Dit le paix est épuisé et est impoli. C'est pour massacrer qu'elle est épuisée. Maintenant, mais le paix te massacre maintenant. Te massacre maintenant. Pendant que tu tapes, le paix te massacre. Te massacre. Te massacre. 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 Est poli maintenant. Il te frappe. Qui sont partis en esclavage en Égypte. Et regarde, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé tout le jour. Les Gentiles envoient contre les mouches. C'est pourquoi les mouches bénissent. Je viens contre toi. Viens contre toi. Viens contre toi pendant que tu t'attends. Viens contre toi. 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 Je construis maintenant. Tu construis maintenant. Je construis maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Tu sors maintenant. Sors maintenant. Vive sa vie. Au nom de Jésus. Sors. Libère sa vie. Vas-y.
Nous marchons sur toi. Un accord de feu.
Elle se prosterne devant toi et t'adore maintenant, Jésus. Maître, Jésus, toi devant qui tout genou fléchit et t'adore, toi qui as dit que toute les nations te louent, Jésus, fais prosterner l'âme de ta servante si elle est libérée de toute antiquité démoniaque. Fais prosterner son âme devant toi. Seigneur, fais prosterner son âme devant toi. Elle se prosterne devant son roi. S'il n'y a plus l'antiquité démoniaque, Seigneur Jésus, s'il y a encore cet esprit des antiquités démoniaques, Seigneur, qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu. 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 Le feu.
Nous invoquons le feu. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang. S'il y a encore des esprits impurs dans ce corps, manifestez-vous et sortez d'elle. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Ce vase n'est pas à vous. Au nom de Jésus. Ce corps n'est pas à vous. Ce temple n'est pas à vous. C'est la demeure du Christ. C'est la demeure du nom du Tout-Puissant. Il descend dans ce corps. Il t'est puni. C'est toi toujours lui, frère Lucifer. Qui es-tu? La Bible déclare que garder le silence, car l'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Il est dans son Saint-Temple. Oui, ah, c'est un feu de bonheur. Alors ce temple est en place. L'Éternel embrasse maintenant ce corps. Il embrasse maintenant ce corps. L'Éternel embrasse ce corps. Il embrasse. Il embrasse. Il embrasse. Il embrasse. Il reçoit le feu. 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 Nous sommes le volant qui est tombé, 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 nous sommes le volant qui est tomb
sable, le sang de Jésus sur son intérieur, sur son lèvre, tout ces choses. Au nom de Jésus, maintenant descends-toi. Nous enlèvons le sable, 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 nous enlevons 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 le sable, nous appelons par le Seigneur de sortir de cette tombe, de sortir de cette tombe, les aigles de la mort, de ce ne sont pas de ton corps, de ce point de vue de l'ouest, de ce cercle, où est-ce arraché le droit, 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 lève-toi, 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 Dans le nom de Jésus, la sauve maintenant, la sauve maintenant, la sauve maintenant, la sauve maintenant, la sauve maintenant,
Dépêchez-vous de sortir d'elle.
Nous n'avons pas de temps qu'on s'en fout. Dépêchez-vous. Libérez la sauterelle. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Mais attache à toi. C'est comme un feu dans les montagnes. La jaunisse, les gangrènes, les ulcères de pluie. S'attache à ton oignon. Les tankers dans le sentiment. Ça descend sur toi comme pluie, comme des gouttes d'eau qui s'abattent. Ça descend comme des torrents d'eau. Ces malédictions s'attachent à toi. Comme des torrents d'eau de pluie violente. Sonnez! Tu libères son cœur, tu libères son esprit, tu libères sa pensée, tu libères son âme, tu libères son corps, libère-la. Qu'est-ce qui t'empêche de sortir d'elle? Qu'est-ce qui reste encore de t'abattre dans ce corps? Révoquant, au nom de Jésus.
Qu'est-ce qui te reste encore qui t'appartient dans ce corps? Que te reste-t-il? Qu'est-ce qui est à toi dans ce corps? Des tentations et de prendre sa vie, mon Dieu. Dans sa maison, qu'est-ce qui est à toi? Il faut parler de soi, des alliances. Parle au nom de Jésus. Dans ce corps, qu'est-ce qui est à toi? Dans la maison, qu'est-ce qui est à toi? Nous les péchons. Nous les péchons. Nous te donnons trois secondes. Au nom de Jésus. Trois secondes. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui est à toi? Elle a été initiée. Au Dieu, mon roi. Nous révoquons l'initiation. Nous révoquons l'initiation. Nous révoquons l'initiation. Nous révoquons l'initiation. Nous révoquons. 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 Qui es-tu? Et pourquoi tu es là depuis tout ce temps? Nous les déchirons. Es-tu Lucifer? Nous les déchirons. Es-tu Jézabel? Je t'en veux. Au nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Ouvre ta bouche. Qui ment? Esprit impur, tu ouvres ta bouche. Nous faisons passer le sang de Jésus par tes narines. 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 Et ça casse. Le sang de Jésus par tes narines. 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 Au nom de Jésus. Que soit le roi, que soit Moussa, là où tu viens, Jésus, pas tes narines, avec ton père, avec ta mère, pas tes narines, que le sang a été payé, aujourd'hui même, et ça passe par tes narines, aujourd'hui même, Seigneur, toute cette bouche qui est-elle liée? Nous sommes Alors l'éternel descend maintenant.
vous t'ai donné, selon tes yeux, la rétribution descend contre toi. Tous enfants, la rétribution, ça descend contre toi. Nous les aidons tous. Nous les aidons tous. Et nous les lions. Nous les lions. Le jugement de l'éternel est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Et nous sautez, dépêche-toi. Quelque chose de mille milliards. Quelque chose de mille milliards. Le à très grande vitesse. Le tonnerre qui a brisé la muraille de Jéricho. C'est ce que l'Éternel envoie. Il envoie cela sur ta muraille, sur ton dos, sur ta tête, sur tes membres. Le tonnerre frappe. Qui que tu sois, il te frappe. Ça résonne dans tes oreilles. Tais-toi, Jésus. Je te pose la question. Maintenant, c'est pourquoi tu n'as plus droit à régner dans le corps de prière. Aujourd'hui, là même, tu sors du corps de prière. Au nom de Jésus. Tu sors de ton corps. Ton nom, c'est quoi? Réponds au nom de Jésus. Tu sors de ton corps. Réponds. Tu sors de Dieu. Il a pris la place. Il a pris la position dans le corps de prière. Dis-nous que là, condamné, la vérité de ta bouche a été révoquée. Le sang de Jésus, la loi du péché et de la mort, la loi des sacrifices.
ont été abolis par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. La loi des sacrifices humains ont été abolis par la loi de l'esprit en Jésus. La loi de l'esprit en Jésus a brisé les lois du péché, les lois de l'idolâtrie, les lois de Lucifer, les lois de l'esclavage de Lucifer. Tout ce nom, c'est quoi que tu avais plus que tu t'annonces sur Péniel, alors ton nom c'est quoi? Joug pesant. Ton nom c'est le Seigneur les a effacés. Hein? Parce que le jour, Péniel a décidé de donner sa jeunesse à Jésus. De donner sa vie à Jésus. Ce même jour, je suis content. 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 Nous suis content. Nous suis content. Je 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 suis content. Chaka. Chaka, fais sur toi Chaka au nom de Jésus. Je suis à l'entrée de la mer. On me conçut chaque fête. Chaka est le sang. D'accord. Tais-toi dans le nom de Jésus. Regarde, tu as eu pourquoi tu as eu assez à sa vie? Comment tu as fait pour avoir assez à sa vie? Son père, il est quoi? Il pratique quelle religion? Il a son pied, tu sais, au 4 médiman. Tu sais pas qui tête-toi là-bas. Il a son pied, ça veut dire quoi? C'est quelle religion? Au nom de Jésus. C'est quoi? Ça, il a son pied, je suis dans l'eau. Il fait quoi? Il fait quelle religion? Il lave avec l'eau, je suis avec lui. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu as programmé? Qu'est-ce que tu as programmé sur la vie des musulmans? On va te demander plus que c'est pas. Parle au nom de Jésus. Je prends autorité sur toi. Il donne l'argent, il prend la vie. Il prend la vie. Au nom de Jésus. Mais tu les as mantiqués. Tu les as mantiqués. Ils vont passer par le feu d'abord avant d'arriver au paradis. C'est toi qui les as menti. Mais s'il veut mon argent. S'il veut mon argent, il fait quoi? Il va les mentir. On pensait que dans la vie, là, tout est facile. Hein? Donc toi, tu connais la vie. Je suis parti tu connais la vie. Je suis là-bas, vous pensez que moi aussi, ça me plaît. Hein? Ah, pourquoi tu es parti là-bas? Ça me plaît. Hein? Je cherche aussi la force. C'est pourquoi je bois le sang. Oui. D'accord. Maintenant, si tu bois le sang, maintenant, nous allons te donner le sang. Mais le sang de tes enfants. Mais le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je ne bois pas le sang de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le sang de Dieu, je bois le sang. Mais je ne bois pas le sang. Nous allons communiquer l'amour à Péniel. Vous parlez là, je ne connais pas. Seigneur, reçois l'amour de Jésus. Reçois l'amour. Reçois l'amour de Jésus. C'est toi le dragon. Reçois l'amour de Jésus. C'est toi le serpent ancien. Reçois l'amour de Jésus. Chaka. Reçois l'amour de Jésus. Toi, esprit de Chaka. Chaka, tu es un esprit humain. Reçois l'amour. Réponds au nom de Jésus. Tu es un esprit humain. Reçois l'amour. Tu es un esprit humain. Reçois l'amour. Réponds. Reçois l'amour de Jésus. Qui vient de la mer. L'amour de Jésus vient à toi. Monstre marin. L'amour de Jésus envahit le cœur. Monstre marin. L'amour de Jésus envahit le cœur. Monstre marin. Esprit menteur. Réponds au nom de Jésus. Monstre marin. Réponds au nom de Jésus. Voici l'épée de l'Éternel. Voici l'épée de l'Éternel. Qui est suspendue sur toi. Il dit il frappera le monstre marin qui vit dans la mer. C'est toi. Il dit il va te frapper. L'Éternel dit il va te frapper aujourd'hui. En ce jour, il te frappe. En ce jour, il te frappe. Te frappant. En ce jour, il te frappe. Te frappant. L'épée.
L'épée te frappe. L'épée te frappe. L'épée te frappe. Au nom de Jésus. L'épée te frappe. C'est toi le mensonge. L'épée te frappe. C'est toi le mensonge. Au nom de Jésus. C'est toi. C'est toi. Hein? Quel dragon? Hein? Avec des ailes. Ah. Et qui rentre dans son cœur. Le pacte que son père, ton père a fait avec toi, c'est par quoi il a fait le pacte pour te livrer l'âme d'Emmanuel. L'amour de Jésus. Pour te livrer son cœur. Il a fait quel pacte? Au nom de Jésus. Ou c'est quelle parole il a prononcée? Au nom de Jésus. Pour tisser cette alliance. Et il n'y a pas de paix pour toi. Voici des charbons ardents de feu qui descendent sur tes pieds. Les charbons ardents de feu descendent sur tes pieds. Des charbons ardents de feu descendent sur tes pieds. Ça descend sur ton ventre. Nous mettons le feu dans le tes os. Le feu. Et tes otaris maintenant. Au nom de Jésus. Toi, chacun, tes otaris. Chacun. Là où tu as mis son âme pour ça. Toi, esprit impur, il a donné son nom. Il dit, ça s'appelle Chaka. Chaka. Il a prononcé le nom de Jésus. Chaka. Il dit, réponds au nom de Jésus. Réponds. Réponds au nom de Jésus. Où tu as mis son âme? Où tu as mis son âme? Où tu as mis son âme? Ok, nous envoyons encore des grêles de pierre, des grêles de feu. Des grêles de feu. Car l'Éternel exerce ses jugements contre toi aujourd'hui. Par des grêles de feu. Par des grêles de feu. Des grêles de feu. Qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, il descend sur toi. Maintenant. Il descend sur toi. Maintenant. Il descend sur toi. Maintenant. Il descend sur toi. Il descend sur toi. Il descend sur toi. Il descend. 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 Au nom de Jésus. Là où tu es couché. Sois inondé du sang de Jésus. Maintenant. Sois inondé du sang de Jésus. Sois inondé du sang de Jésus. Sois inondé du sang de Jésus. Sois inondé. Sois inondé du sang de Jésus. Sois inondé. Sois inondé du sang de Jésus. Sois inondé du sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu es couché dans le sang. Tu es couché dans le sang. Le sang de Jésus. Il a compté. Compté quoi? Il a compté sa vie. Il dit de le prendre 5 mois. Il a compté. Il a compté sa vie. Pas jusqu'à, combien jusqu'à combien d'années? Il dit de prendre. Jusqu'à combien d'années? De son cœur. De le prendre. Et maintenant, tu lui as donné quoi? En retour. Quel est le pacte qui vous a lié? Hein? Quel est le pacte qui vous a lié? Parle maintenant. C'est quel pacte qui vous lie? Quel est le pacte qui vous a lié? Ok, nous augmentons le volume du sang de Jésus. Oui. Le sang de Jésus. Tu bois le sang. Le sang de Jésus. Tu bois le sang. Le sang de Jésus. Tu bois le sang. Le sang de Jésus. Ça te pénètre. Le sang de Jésus. Ça pénètre tout ton corps. Le sang de Jésus. Ton âme. Le sang de Jésus. Ton esprit. Le sang de Jésus. Ton monde est inondé. Il est inondé. Les eaux. Comme un déluge. Ton être entier. Comme un déluge. Ton être entier. Comme un déluge. Est inondé par le sang. Le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu es inondé par le sang. Le sang. Tu es couché maintenant dans le sang de Jésus. Tu as couché dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu as couché dans le sang de Jésus. Tu as couché dans le sang de Jésus.
Tu as couché dedans. Et maintenant, le sang de Jésus te pénètre. Avec le feu. D'accord, descends là-bas, tu vas aller chercher son âme. Le feu dévorant. Nous, on n'a pas besoin de le feu dévorant. Le feu dévorant. Descends là-bas, tu cherches son âme. C'est ça. Le feu dévorant. Descends là-bas, tu cherches son âme. Comme c'est toi qui as mis son âme dans l'eau là, c'est là-bas tu nages, c'est là-bas tu es fanfaron. Quand on dit, ils vont te consulter, c'est là-bas tu parles. Ok. Descends dans l'eau et puis prends son âme, donne-le-nous. Donne-le-nous. Quand il est écrit, tout âme est à moi, dit l'Éternel des armées. Tout âme est à moi, dit l'Éternel des armées. Au du nom Père, de Jésus, du Fils. Va chercher ce que tu as volé. C'est elle qui ce n'est pas à toi son âme. C'est à l'Éternel des armées. Alors si tu as pris, tu es un voleur. Maintenant, va prendre son âme. Vas-y. Descends, descends dans les profondeurs. Ne sais-tu pas que la parole. Oh, Jacques, descends dans les profondeurs. Est un jugement contre toi. Descends dans les profondeurs. Descends dans les profondeurs. Va chercher son âme. Descends dans les profondeurs. Va chercher son âme. Va chercher son sang. Va chercher son âme. Va chercher son sang. Va chercher. Le sang de tout cher, c'est son âme. Va chercher son âme. Va chercher le sang que tu as recueilli de lui. Quelle alliance? Quelle alliance? Nous brisons l'alliance au nom de Jésus. On va briser ça. Tiens, faut briser l'alliance. À leur sacrifice. Au coupé, de on va briser au nom de Jésus. On va briser cette alliance dans le nom de Jésus. C'est là où il y a une alliance, c'est là qu'il y a une livraison. Donc Jésus-Christ s'est livré à la croix. On va briser cette alliance. Pour Emmanuel. Tu es vaincu, Chaka. Et à cause de cela, il a répandu son sang. Il a répandu son sang pour Emmanuel. Le Seigneur t'a vaincu à la croix. Voici ceci, il est écrit dans le livre de Colossiens 2, verset 14. Il dit quoi? Il a effacé l'ordonnance qui nous condamnait. Les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. C'est pourquoi mes regards. Et il a dépouillé les dominations, les autorités en les livrant publiquement au spectacle. Tu as été dépouillé. L'alliance même nous alliés en toi. Et puis son papa, aujourd'hui même, tu vois ça. Nous transposons cette alliance sur cette feuille dans le nom de Jésus. Nous disons au Seigneur d'aller chercher cette alliance et de la transposer sur cette feuille. Au nom de Jésus. L'alliance qui est dans ta bibliothèque, qui est dans tes archives, dans la mer, dans ta mémoire, qui est dans le monde de la mer. Nous saisissons cela, nous transposons cela là au nom de Jésus. Nous saisissons cette alliance et nous la transposons ici. Voici l'alliance. Nous l'avons maintenant. Nous avons le document original. Nous avons le document original de ton alliance. Maintenant. Voici ça. Voici ça qui est là. Au nom de Jésus, nous détruisons. Il n'y a plus d'alliance. Ça n'existe plus. Ton alliance. Nous détruisons. Ton alliance. Descends. Et nous la révoquons. Au nom de Jésus. Nous la révoquons. Au nom de Jésus. C'est révoqué. C'est révoqué. C'est révoqué. L'alliance est annulée. Le décret est annulé. Le décret est annulé. Il n'y a plus de loi. L'alliance des parents depuis sa naissance. Tout ce que vous avez dit sur sa vie. Nous les révoquons depuis son père jusqu'à sa mort. Nous les révoquons sur cette alliance. Nous les révoquons maintenant. Nous les révoquons maintenant. Nous les révoquons maintenant. Nous les révoquons maintenant. Nous les plongeons à sa cordon médical et nous révoquons. Toutes les malédictions liées au cordon médical. Toutes les malédictions liées au cordon médical. Toutes ces malédictions liées au cordon médical. Nous les retirons. Nous les transposons là. Nous les transposons là. Oh oui. Nous révoquons toutes ces paroles. Nous révoquons toutes ces paroles. Nous révoquons. Nous révoquons. Nous révoquons. Nous révoquons toutes ces paroles. Sans révoquer. Sans révoquer. Sans révoquer. Depuis le jour de sa naissance. Depuis le jour de sa naissance. Nous révoquons. Et c'est annulé. Ces paroles sont annulées. Les paroles de son père et nous détruisons maintenant. Nous brisons maintenant. Ces paroles sont brisées. Toutes ces paroles sont brisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons révoqué. Il n'y a plus de lien qui brise. Il n'y a plus de lien qui brise. Arrête de pleurer. Et va chercher son âme. Il dit ceci, voici mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Qui est répandu pour Emmanuel. Qui est répandu pour Emmanuel, donc ton sang de sacrifice, de péché, de meurtre, le sang de Jésus a annulé ça. Le sang de Jésus a annulé ça. Ton décret est annulé. Les paroles sont annulées.
Mais il n'y a plus d'alliance. Il n'y a plus de lien en vous. Il n'y a plus de lien en vous. Et maintenant, va chercher son âme. Il faut rappeler parce que toi tu es la même. Il faut rappeler ce qui est normal. Regarde, sinon, si nous descendons là-bas, nous allons te détruire. Il renouvelle ton esprit. Il renouvelle ton esprit. Il renouvelle ton esprit. Il renouvelle ton esprit. Qui vont t'accompagner dans la mer. Maintenant, pour prendre l'âme du serviteur de l'Éternel. Emmanuel, Seigneur Jésus, envoie les quatre forgerons, envoie les quatre forgerons, entraînez, afin qu'ils entraînent cet esprit impur, ce démon qui vit dans la mer, arrachez l'âme de ton serviteur de la mer, au nom de Jésus, ils apparaissent. Ils apparaissent. Descends, 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 descends,
circule maintenant. Ça Brisons au nom de Jésus. Tout est lieu saint, tout est lieu sacré. La mosquée Al-Aqsa, la Kaaba, la Mecque, le mont du temple. Nous brisons tout au nom de Jésus. Nous brisons maintenant tout. Les pieds noirs. Qui liait son cœur à cet esprit de l'islam, à cet esprit d'incantation, à cet esprit pur qui vit dans la mer, qui parle comme un fanfaron. L'esprit de Chaka. Aujourd'hui, l'esprit de Chaka. Regarde cette ordonnance. Voici le dossier, oui, qui vient pour déchirer, annuler le testament de son père sur sa vie. Son ventre, quoi. Hein? Son ventre. Cordon ombilical, cordon ombilical. Cordon ombilical. Faut plaquer pour l'ordonnance là. On a plaqué avec lui maintenant. Parce que c'est son cœur. Non, c'est ici. C'est ici là. Son estomac. Uh-huh. Pas ici, là. Ça veut dire que là où la cage thoracique. Oui, oui. Faut ôter ce lien. Faut ôter ce lien. Prison ce lien au nom de Jésus. Faut briser ce lien au nom de Jésus. Briser ce lien au nom de Jésus. Prison, c'est lié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout lien qui était caché. Toute ordonnance, tout décret de condamnation par lequel tu étais lié à Emmanuel. Tout objet que tu as introduit tout là-bas. Tout objet que tu as introduit pendant que ce décret est en train d'être arraché. Ces objets sautent de lui. Ça se transpose là. Ces objets sautent de lui. Ça se transpose sur ce document au nom de Jésus. Ça revient. Ça vient maintenant. Décret de sacrifice. Ça vient maintenant. Décret d'empoisonnement. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Ça revient. Nous arrachons. Nous plongeons dans le sang de Jésus. Ces flèches. Ces épées. Nous enlevons. Nous déchirons. Nous enlevons. Ces épées sataniques. Ces épées sataniques. Ces aiguilles d'envoûtement. Nous enlevons tout au nom de Jésus. Nous plongeons nos mains dans le sang de Jésus. Nous saisissons ce qui est planté. Nous arrachons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous arrachons. Nous arrachons. Nous arrachons. Au nom de Jésus. Jetons au feu. L'esprit de folie. Nous déclarons maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous saisissons l'épée du grand canal. Et maintenant nous pratiquons la chirurgie. Depuis sa bouche. En passant par sa gorge, nous pendons. Nous l'opérons maintenant. Nous ouvrons sa cage thoracique. Et toute impureté que tu as mis à l'intérieur de lui. Nous ramassons avec la main de l'Éternel des armées. Nous ramassons. Nous ramassons tout. Nous ramassons tout. Nous ramassons tout. Jetons. Nous jetons au feu. Jetons au feu. Au nom de Jésus. Nous prions maintenant la machine du Saint-Esprit descend. La machine qui vide le sang du Saint-Esprit, nous la proclamons maintenant. Nous les jetons, à sa gauche, à sa droite. Nous les jetons maintenant, le partout. Et maintenant, le sang, nous aspirons. Le sang de son Père.
n'est plus le sang d'Emmanuel. Le sang de ses aïeux n'est plus son sang. Le sang d'Emmanuel n'est plus le sang de ses aïeux, n'est plus le sang de ses pères. Nous le vidons de ce sang. Nous le vidons. Le bidon de ce sang. Nous vidons son corps de ce sang. Nous vidons sa chair de ce sang. Nous le vidons. 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 Ton sexe là. Vidon. Ton sexe. C'est ça, au nom de Jésus. Donc, gros sexe. Son semblant de sexe qu'il a là-bas. Que tu as mis pendant que le sang de ses aïeux est en train de disparaître de lui. Nous cette maladie également disparaît. Dans le sang. Cette maladie disparaît. Avec le sang. Coupez son sexe. Nous coupons maintenant avec le sexe. Coupez. Au nom de Jésus, ce sexe de lui. Ce sexe avec lequel tu couches avec lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu bois ton propre sang. Esprit impur. Il n'y a pas de temps pour le soleil. Feu sur toi au nom de Jésus. Feu. Nous diminuons ta force. Nous enlevons tes forces. Le feu dans tes comptes. Avec l'aiguille du Saint-Esprit. Le feu dans tes comptes. Au nom de Jésus. Le feu dans tes comptes. Maintenant. Qu'est-ce que tu as mis dans son corps? Esprit impur, qu'est-ce que tu as mis dans son corps? Si tu ne parles pas, nous allons te dépecer. Enlever tes yeux déposés à part. Tes oreilles déposées à part. Découper tes doigts un à un. Enlever tes molaires. Tous tes canines, nous allons les arracher. Au nom de Jésus, ton rire à quoi, nous allons également l'enlever. Ta moquerie. Tes fils, nous allons les égorger un à un. Qu'est-ce que tu as mis dans son corps? Parle au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as mis dans son corps? Parle au nom de Jésus. Le manteau de la mort que tu avais mis sur lui. Nous plongeons nos mains dans le sang de Jésus. Nous saisissons l'épée du grand canard. Nous déchirons le manteau de la mort. Nous déchirons le manteau de la mort. Comme esprit de moquerie, esprit d'infélicité, toutes ces pornographies, nous enlevons de sa vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous retirons. Nous arrachons ces gants de masturbation. Au nom de Jésus, nous arrachons ces gants impurs. Nous les jetons au feu. Au nom de Jésus. Toi, esprit impur, qu'est-ce que tu as apporté dans ce corps? Quelle est la maladie que tu as mis sur lui? Parle au nom de Jésus, il n'y a pas de repos pour toi. Parle maintenant au nom de Jésus. Confesse-toi maintenant. Quelle est la maladie que tu as mis sur lui? Tu as mis quelle maladie sur lui? Parle maintenant. Pour toi, donnons au nom de Jésus. Tu as mis quelle maladie sur lui? Que ta main s'élève pour enlever cette maladie. Toi-même, quand ta main enlève la maladie que tu as mis sur lui, à ta main droite maintenant. Lève ta main et enlève la maladie. Allez, il n'y a pas de repos pour toi. Réveille-toi et puis enlève la maladie maintenant. Enlève. Que tu tapes le feu sur toi. Feu. Au nom de Jésus. Feu. Tu as couché dans les bras de feu. Feu dévorant. Tu as couché dans les bras de feu. C'est du feu dévorant. Tu as couché dans le feu. Ça te dévore. Maintenant. Ça te dévore. Il n'y a pas de repos pour toi. Le feu te dévore. Le feu te dévore. Au nom de Jésus. Et tu parles maintenant. Tu parles maintenant. Dans enlève le nom la maladie de Jésus. Que tu as mis sur lui. Enlève, vite. Enlève-la. Enlève cette maladie. Ta plaisanterie là, on n'aime pas ça. Enlève la maladie. Cette impureté que tu as mis sur lui. Tends ta main, prends. Ta main droite, enlève ça. Et jette dans le feu. Tu retires maintenant. Au nom de Jésus, le feu du Seigneur. Que ta main droite saisis cette maladie. Et arrache-la! Arrache-la!
premier est tombé. Dépêchez-vous. Enlève. Retire la maladie. Retire. Ça remonte, ça sort. Ça remonte, ça sort. Ça sort maintenant. De ton estomac. Ça remonte, ça sort. Ça remonte, ça sort. Au nom de Jésus. Fomez ta maladie. Le sang de Jésus fait sortir ça. Ça fait sortir. Ça fait sortir. Ça fait sortir la maladie, l'envoûtement. L'envoûtement. La colère. L'échec. L'empoisonnement. Tout cela sort maintenant. La folie sort. Au nom de Jésus. La folie sort. Car la Bible déclare que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera arrachée, jetée au feu. Alors l'Éternel arrache les maladies. Ça arrache l'envoûtement. Ça arrache la calomnie. Ça arrache l'orgueil. Ça arrache la colère. Ça arrache l'empoisonnement. Tous ces Nancy qui tu lui as fait voir. Ça sort maintenant. Tout ce que vous avez les sacrifices que vous l'aviez donné à manger. Au nom de Jésus. Pendant les ramadans. Les biens que vous lui donnez à manger en rêve. L'Éternel retire. Il retire tout cela. Le boubou blanc de la mosquée que vous lui avez fait porter. L'Éternel déchire, il enlève vos chapeaux, les chapeaux blancs et gris. Il retire maintenant au nom de Jésus. Il retire tous vos envoûtements, tous vos maraboutages, vos nancigis, vos nancigis, tous ces trucs de maraboutage. Qu'est-ce qui te reste dans ce corps? Les babouches de maraboutage. Au nom de Jésus, vos bagues magiques. Qu'est-ce qui te reste dans ce corps? Les anneaux magiques. Et parle. 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 Qu'est-ce qui te reste dans ce corps? Ramasse tes malédictions. Aujourd'hui, mais le Seigneur. Ramasse tes malédictions. Entre nos mains, c'est pourquoi aujourd'hui, mais tu vas ramasser toutes tes malédictions et tu vas. Ramasse tes malédictions. Ah, chacun, fais vie. Fais vie. Sorti de lui. Et toi, esprit. Ramasse-les. Chacun. Arrache tes malédictions. Ben, yama. Toutes tes malédictions. Maka. Maka, Maka, esprit, l'islam. Y'a quoi la Maka? Y'a quoi mec. Là-bas? La Mecque. C'est la Mecque. Maka. La Mecque. Il y a quoi là-bas? Il a fait quoi? Il a fait là-bas. Y'a quoi là-bas? Maka. Oh, il est parti, Maka. C'est quitté à la Mecque. Son papa est parti à la Mecque. C'est pour aller t'adorer, c'est ça? Hey, il ne faut pas prononcer ça là ici. Puisque vous ne mangez pas Djoufa, nous saisissons l'épée du grand canal. Nous mettons à ta gorge. Et nous dégorgeons. Nous dégorgeons. Dans Isaïe 49 au verset 26. Non, de Jésus. Il dit, je donnerai à boire à tes ennemis leur propre sang. Au nom de Jésus. Ils s'enivreront de leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Au nom de Jésus. Et je combattrai tes ennemis. Nous mettons feu à ton maca. L'Éternel des armées est là pour te combattre. Nous mettons feu à la maca. Parce que t'es un adversaire. Au nom de Jésus. Sois esprit impur. Nous mettons feu à la maca. Distraction. Au nom de Jésus. Et consumer le feu. Le feu dans tes yeux. Le feu descend sur Maka. 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 Sur la Mecque. La Mecque reçoit le feu. La Kaaba descend le feu et reçoit le feu. Là où le serpent est caché. Cette case noire. Ce truc carré noir sur lequel vous couvrez. Maintenant, le feu reçoit. Le feu descend. Il reçoit le feu. Il descend. Le feu descend dessus. Le feu descend. Sur la Kaaba. Sur la Kaaba. Sur la Kaaba. Le feu descend. Descend. Sur la Mecque. Sur ton trône. Sur tes palais. Sur tes lieux saints. Sur le mont Arafat. Sur le mont, je ne sais quoi encore. Le feu descend sur tous tes monts en Arabie. Au nom de Jésus. Et tout est consumé maintenant. Ta queue, nous la plongeons au feu. Au nom de Jésus. Qui es-tu? Toi qui es là. Tu dis quoi? Ton nom c'est quoi? Donne-nous tout ton nom et ce que tu es venu faire dans ce corps. Brûler ces choses. Oui. Si on a brûlé. Il n'y a pas de repos. Donne-nous ta feuille de route. Réponds! Qui as-tu? Si on a brûlé courant. Maintenant ton courant là, nous allons mettre le feu dedans. Le livre des mensonges. Le livre des marchands. Le livre d'abomination. Car il est écrit que le diable est le père du mensonge. Il n'y a point de vérité en lui. Et il m'a dit le commencement. Tu es comme son père. Oui. Ton père qui est le diable. Toi, esprit du père d'Emmanuel, c'est toi que je te parle. Maintenant, nous mettons le feu dans ton livre de mensonges.
Nous allons allumer le feu dans son courant. Car c'est dans cette force libre qu'ils ont pris ces paroles incantatoires pour appeler son âme dans la mer. Maintenant, le feu. Le feu descend sur ton courant. Le feu descend sur ton livre. L'incantation dans lequel tu as retiré les mensonges pour lier l'âme d'Emmanuel. Le feu descend. 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 Tout cela reçoit le feu. Tout ta mosquée est embrasée maintenant. Tes mosquées sacrées sont en feu. Tes lieux saints sont en feu. La mosquée Al-Aqsa, nous mettons le feu dedans. Au nom de Jésus, la Mecque, nous mettons le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'âme d'Emmanuel est en tes mains, n'est-ce pas? Réponds! Tu détiens son âme, n'est-ce pas? Au lieu de rester silencieux. Il a tiré ça dans l'eau, sous la mer. Chaka. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe chapitre 1, lorsque l'Éternel a créé le ciel et la terre, l'esprit la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est le Seigneur qui a donné les limites aux eaux qui sont au-dessus et aux eaux qui sont en bas. Et c'est le Seigneur également qui a dit aux eaux qui sont en bas, au-dessous de l'étendue, de se rassembler en un lieu, afin que le sec apparaisse. Nous commandons par la parole de l'Éternel que là où l'âme d'Emmanuel avait été enterrée, que la mer se rassemble en un nom de Jésus. Le sec apparaisse maintenant. Le sec apparaît. Le sec apparaît. Que le sec apparaît. Le sec apparaît. Que le sec apparaît. Que le sec apparaît. Le sec apparaît. Le sec apparaît. Le sec apparaît. Et maintenant le lieu où l'âme d'Emmanuel avait été enterrée est maintenant découvert. Les eaux se sont retirées. Maintenant nous commandons. Emmanuel. Nous appelons Emmanuel par son nom. Et il sort de la tombe. Emmanuel, sors. Emmanuel, sors. Emmanuel, sors. Sors maintenant au nom de Jésus. Emmanuel, sors. Sors de là, sors de là, sors de là. Sors. Ton âme remonte de l'abîme. Ton âme sort. Ça remonte de la mer. Ça remonte du monde de Chaka. Ça échappe à Chaka. Ça échappe à Chaka. Chaka laisse maintenant. Les bras de Chaka sont brisés. Ton âme s'échappe. Ton âme s'échappe de là. Au nom de Jésus. Nous délions les bandes. Au nom de Jésus. Nous délions ton âme. Nous délions les bandes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous commandons maintenant. Emmanuel, reçois ton âme. Reçois. Reçois ton âme. Reçois. Emmanuel, reçois son âme. Reçois. Rien ne peut empêcher l'âme d'Emmanuel de retourner dans son âme. Rien ne peut, car c'est un feu dévorant. Emmanuel, reçois ton âme. Reçois ton âme. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toi, esprit impur, Emmanuel n'est plus en tes mains. Au nom puissant de Jésus. Alors sors de ce corps maintenant. Nous allons dans ton camp. Tous les étoiles d'Emmanuel, sa richesse, son mariage, son travail, sa stabilité, ses dons. Son ministère. Alors nous allons te dépouiller de tout ce qui lui appartient. Jusqu'au tout dernier. Je ne sais pas. Okay. Son ministère. Non. On t'arrache. Je ne veux pas. On va prendre. Non. C'est quel ministère? C'est quel ministère? C'est quel ministère? Réponds. Réponds. On t'arrache. C'est quel ministère? Réponds. On va t'arracher. Quel ministère? Ah, tu as peur. C'est quel ministère? D'accord, t'arrache pas. Il faut dire On va t'arracher. On va t'arracher. C'est quel ministère? Tu es un voleur et puis tu es pas. On va t'arracher. Toi, esprit impur, tu es un voleur. Le voleur n'est pas. Nous descendons dans ton corps. C'est quelque chose de lequel tu vois le but. Tu dis ouais, tu es pas voleur. C'est le ministère d'Emmanuel. C'est ce qui a plus beau des hommes pour toi.
sang descendant dans ton corps, descendant dans ton trésor, le dans ton temple, dans ton magasin, dans ta cabane de voleur, nous saisissons tout. Emmanuel, voici le ministère, nous enlevons, nous arrachons, nous arrachons. Il t'appartient pas, il t'appartient pas, il t'appartient pas, il t'appartient pas, il t'appartient pas. Il va les voir haut, il sera haut. Nous arrachons. Nous arrachons. Nous arrachons. Tiens, voleur, puis tu es pas dans les trucs des autres. Voleur. Qui va accepter? Il va ressusciter ma mort. C'est une dose du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous frappons tes côtes. Nous frappons tes côtes de paralysie. Nous frappons tes côtes. Au nom de Jésus. Nous te frappons. Nous te frappons. Maintenant même, le ministère d'Emmanuel sort. Ça sort. Le ministère d'Emmanuel sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Son ministère sort. Ça sort. Son ministère sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. C'est une étoile brillante. Nous arrachons. Nous saisissons. Nous saisissons. Nous saisissons. Au nom de Jésus. Nous saisissons. Nous saisissons. Nous saisissons. Nous saisissons. Nous la soulevons. Nous la soulevons. Et puis nous scellons. Nous scellons lui. Dans le sang de Jésus. Nous scellons par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Nous saisissons. Son mariage. Au nom de nous saisissons Jésus. Le mariage. Nous saisissons sa conduite. Son voyage. Tous les enfants sa richesse. Au nom de Jésus. Nous saisissons. Tout ce bien que l'Éternel lui a destiné. Jésus. Nous arrachons tout cela. Le foyer. Au nom de nous Jésus. Nous saisissons tout. Manta. Nous saisissons. Manta. Au nom Manta est là. Manta a pris. C'est Manta. C'est Manta qui a changé. Il a changé. Il a changé. Il a donné. Il a pris. Il a pris. Il a pris. Il a pris. Va dire à celui qui t'avait confié tout cela que tu as échoué. Va lui dire que tu as échoué. Quand t'as arraché ce que tu as volé. Arraché ce que tu avais volé. On t'a attrapé, tu es nous saisissons tout ce qui est finance. Tout ce qui est don qui accompagne les ministères. Au nom de nous saisissons tout. Tous ces étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous saisissons tous ces 16 étoiles. Au nom de Jésus. Nous les regroupons. Nous les regroupons. Nous les soulevons. Nous les scellons vis-à-vis. Au nom de Jésus. On s'en fout. On va les prendre, même si ça est loin. Il dit ça est loin dans les étoiles. Dans la lune. Dans la lune. Dans sa pourquoi nous disait. En tout cas. On dit notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est infini. Il est omniscient. Il voit tout. Luc 1, le verset 37. La Bible dit car rien n'est impossible à l'Éternel. Donc, quel que soit là où ça est là, c'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé les trois cieux. Et maintenant, la main de l'Éternel saisit tout ce que tu avais caché dans les étoiles. Dans la lune. Dans la lune. Pour les frères d'Emmanuel, pour les soeurs d'Emmanuel, pour tous ceux qui sont dans sa famille, ses parents, tout ce que tu avais volé, Emmanuel est comme un prophète pour eux. Alléluia. Maintenant, nous allons lui transmettre ça et c'est lui qui va se charger de les distribuer. La main de l'Éternel saisit toutes les richesses. Là où ça est, là où ça est, quel que soit l'endroit. Quel que soit là où ça est, quel que soit l'endroit. La main de l'Éternel les saisit. Et les ramène à Emmanuel. Ça les ramène. Il les ramène. Il prend possession. Il prend possession. Ça rentre en lui. 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 On s'en fout de tes arguments. Nous scellons sur sa tête, sur sa fontanelle, au nom de Jésus. Il va changer vraiment. Oui, tu as prophétisé. Il a le pouvoir de guérir. Il guérira au nom de Jésus. Il guérira au nom de Jésus. On ne veut pas de ta volonté. Il va au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas le faire. Le don de guérison. C'est venu. Le don de guérison. Ça rentre maintenant. Regarde ce don de guérison. Il prend possession. Il sort de la tombe maintenant. Ça sort de la tombe. Le don de guérison. Le don de guérison. Le don de guérison. Le don de guérison. Non. Tu vas finir misérable. Quand tu es poussière, tu vas retenir la poussière également. Au nom de Jésus. Le temps de guérison. Au nom de Jésus. Le soir maintenant. Le soir. Le soir maintenant. Le soir. Le soir maintenant. Le soir. 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 Le soir.
Sélam, c'est ta frontalière. Dans le nom de Jésus. Sélam, dans le salut. Le Sélam, au nom de Jésus. C'est dans la prophétie. Tout ce qu'elle donne des prophéties. En tant qu'un prophète. Ce qu'elle donne des miracles. Prends prophétie là d'abord. Parce que c'est ça, il ne veut pas. Là, il va le dévoiler. Au nom de Jésus, regarde. Mais le don de prophétie maintenant. En tant que prophète de l'éternel. Nous prenons ça là. On n'attend pas. Nous arrachons le don de prophétie. Nous arrachons. Nous arrachons. Nous arrachons. Nous arrachons. Nous arrachons le don de prophétie. Le don de prophétie. Nous arrachons. Nous arrachons le don de prophétie. Nous arrachons le don de prophétie. Nous arrachons. Nous arrachons. Le feu. Nous arrachons. Nous arrachons. Il reçoit. Il reçoit. Il reçoit. Il reçoit le don de prophétie. Il reçoit le don. Il reçoit le don de prophétie. Il reçoit au nom de Jésus. Il reçoit le don de prophétie. Au nom de Jésus. Il reçoit le don de prophétie. Ça rentre dans sa vie. Le don de miracle. Le don de miracle. Ça rentre dans sa vie. Le don de guérison. Le don de résurrection des morts. Au nom de Jésus. Il a reçu tous ses dons maintenant. Tu peux pas les crier comme le don de guérir, de ressusciter les morts. Maintenant, toi, esprit impur, tu es dépouillé. Pour appeler mes enfants. Tous les autres dons mes enfants qui vont s'activer. Chaque heure. C'est moi qui crie. On t'a dépouillé maintenant. Regarde, on t'a dépouillé. Va dire à ton mec qui a joué. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 15. Il n'a pas lui qui va dire à la mosquée à ta place. Dans la vie d'Emmanuel. Et les autorités démoniaques. Des sureurs d'incantation. Et les a livrés publiquement en spectacle. Au nom de Jésus. En triomphant sur toi par la croix. Au nom de Jésus. Tu es dépouillé. Dépêche-toi maintenant. Dépêche-toi. Et dégage. Pendant que tu es là, tout lien, toute alliance qui te liait à Emmanuel, au père de, c'est le père d'Emmanuel qui a tissé alliance avec toi. Et tu es remonté par les liens de sang pour venir. Tous les liens de sang qui ont pu subsister entre toi et Emmanuel. Tous ces liens de sang, nous les saisissons tous. Au nom de Jésus. Quelles que soient leurs origines, nous les saisissons tous. Et nous les déchirons. Déchirons. Nous les déchirons. Déchirons. Nous les déchirons. Nous les déchirons. Nous les déchirons. Déchirons. Nous les déchirons. Nous ces alliances. Nous les déchirons. Nous ces liens. Nous les déchirons. Nous les déchirons. Nous les déchirons. Nous les annulons. Nous annulons. Il ne voit plus. Si tu es avec ça, bon aussi. Au nom de Jésus. Maintenant, ramasse tout ce qui est à toi. Toutes tes impuretés, ramasse-les, tu sors de lui. Ta folie, tu ramasses ta folie, tu ramasses tes échecs, tu ramasses tes misères, tu ramasses ta pauvreté, tu ramasses tes maladies, tu ramasses tes égarements. Levez-le, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. De ce qu'il le fait errer. Dans le nom de Jésus. Dépêchez-vous. Tu ramasses ta folie, tes malédictions. Esprit de folie, sors. Au camp, au nom de Jésus. Toi, esprit de folie. Dehors. Prends tes déchets. Dehors. Sors. Ta stupidité. Prends-les. Et va. Mensonge, sors de lui. Va-t'en. Esprit de folie. Tout sort, tout sort. Tout ce que tu devrais manifester en lui. Ramasse-toi, sors. Oh, Beelzébul, fais vite. Tout ce que tu devrais manifester en lui. Beelzébul, fais vite. Esprit de cimetière. Beelzébul, tu fais vite et tu sors de là. Sors de là. Légion. Tu fais vite et tu sors de là. Légion, dehors. Dehors, dehors. Le biathan. Légion, dehors. Allez-y, dans les sacs, et là, on te suit là. Dans les abîmes des ténèbres. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Faut essuyer l'autre là, sinon il va monter. Oh, le biathan, tu sors de là. Tu sors. Esprit malin, Beelzébul. Allez, va dans les abîmes des ténèbres. Dehors, retourne dans les abîmes. Dans les abîmes des ténèbres. Retourne dans les abîmes. Sors. Tu sortiras pour non. C'est pour toi le corps. Qu'est-ce qui te retient? Voleur. Qu'est-ce qui te retient? Tu sors de là. Qu'est-ce qui te retient dans ce corps? Beelzébul. Le temple de Dieu est saint et c'est ce qu'est Emmanuel. Alors toi, pour lui, tu ne peux pas demeurer là. Qu'est-ce qui te retient encore dans ce corps? Je t'en prie. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui te retient dans ce corps, esprit impur? Et la main m'a bien, non? Et la main m'a bien. Comme tu le prends de Jésus, il te doit rien. Il est avec moi. Il ne peut jamais être avec moi. Il était avec moi. Regarde le livre. Tu as dit, il était, mais il n'est plus avec toi. Regarde le livre de Romains 8, il te doit mettre le corps de Jésus. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il a chié. Romains 8, verset 1. Il a mangé. Romains 8, verset 1. Il n'a pas dit. Écoute ceci. Il y a donc. Ferme ta bouche et écoute ceci. Maintenant, aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour Emmanuel qui est maintenant en Jésus-Christ. En effet. La loi de l'esprit. La loi de l'esprit de vie. De vie en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. M'a affranchi. Affranchi. Il est libre. De la loi du péché. Il est libéré. Et de la mort. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a affranchi Emmanuel de la loi des sacrifices, l'a affranchi de la loi des moutons, l'a affranchi de la loi de la chair des bœufs, de la chair des poulets, de la chair des cabris, de la chair des béliers, la loi de l'esprit de vie en Jésus, de la chair humaine, Emmanuel de tout ce qui est chair humaine. Nous faisons sacrifice dans la carrière. Entends les cris de la foi de Jésus-Christ qui arrache maintenant. Il m'en va. Dis, dehors! Tu l'as pas fait, tu as duré. Tu peux pas aller avec lui, il t'appartient pas. Il t'appartient pas. Il t'a dit, mets sur le compte de Jésus. Jamais, il te doit rien. C'est qui te doit? T'es beau de Tabaski. T'es beau de Tabaski, nous mettons feu dessus au nom de Jésus. T'es faible de feu que tu as dressé. Selon qu'il est dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Mon sang est là. Ma belle là. Toi tu es sang, toi tu es envoyé sang. Le sang de Jésus a lavé ton sang. Mon sang. Le sang de Jésus a triomphé sur ton sang. Ton sang n'est plus dans son corps, c'est le sang de Jésus. Jésus dit, voici, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour Emmanuel. À quoi la nourriture? La nourriture n'a même pas été née. Si vous ne mangez ma chair et que vous ne vivez mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Ah. Aujourd'hui même, nous donnons la chair de Jésus à Emmanuel. Vous mangez la chair de Jésus. Emmanuel mange la chair de Jésus. Il boit le sang. Emmanuel mange la chair de Jésus. Mange la chair de Jésus. Il boit le sang. Au nom de Jésus. Il mange la chair. Et bois le sang de Jésus. Sois ivre du sang de Jésus. Maintenant c'est la mort. Toi esprit de mort. Moloch. Regarde ses narines. L'homme à la culotte noire. Malheureux. Pour faire passer ses enfants au feu. Puisqu'il aime la mort. Moloch. Il va sentir la Bible de... déclare dans le livre de Hébreux chapitre 12 verset 29. Dit notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mm-hmm. Nous mettons le feu dans les vêtements de la mort. Au nom de feu. Feu dans la mort. 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 Feu. 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 Nous mettons le feu dévorant dans ce corps. Le feu dévorant. 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 Feu. Mettons le feu dévorant. Mettons le feu dévorant. La Bible déclare ceci. Et le feu anime ce corps. Le feu anime ce corps. Il est mort à la croix. Au nom de Jésus. Il est descendu jusque dans les régions infernales de la terre. Il allait trouver la mort. Et il a pris les clés de la vie. Dans les mains de la mort. Au nom de Jésus. Les clés de la vie ne sont plus en Jésus. Donc tu ne peux pas tuer Emmanuel. Au nom de Jésus. Tu n'as plus d'aiguillon. 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 Oh mort. Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'était la loi. Allez. Jésus t'a vaincu à la croix. Cette loi-là. Maintenant, tu sors de lui. La loi de vie du Seigneur Jésus. Abolis cette loi de mort. Mon sang. Abolis cette loi de mort. Mon sang. C'est pourquoi Emmanuel maintenant est venu.
Retourne là-bas. Retourne dans les abîmes. Au nom de Jésus. Laisse ma caméra. Retourne dans les abîmes. Au nom de Jésus. Retourne là-bas. Ramassez-vous tous. Qui es-tu? C'est la légion. Ramassez-vous. Ramassez tout ce que vous avez mis en lui. Voilà, c'est l'esprit de vie. Ça tombe dans le feu. Allez, ramasse tout. Ramasse tout ce que tu veux dans sa narine, tout ce que tu veux dans sa tête, tout, sur tes mains, sur tes pieds, alléluia, et tu sors de lui. Alléluia. Tu sors de lui. C'est ça, Aïe. C'est l'islam, l'esprit de l'islam. Il a très brave vision. C'est pas ancien. Le sang de Jésus. 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 Le sang de Jésus
Voici votre Dieu qui est couché ici. C'est son esprit. L'esprit de Allah. L'esprit de Lucifer. Regardez. Façon vous asseyez dans vos mosquées pour faire vos prêches. Voici un des signes qu'il vient de faire. L'orgueil. Quand on vous dit que c'est Lucifer même qui est le Satan, qui est le diable lui-même, Allah, là, vous ne croyez pas. Voici Allah qui est couché ici. Le voici ici. Vous dites que Jésus c'est un être humain. Jésus est prophète. Jésus n'est pas Dieu. Cet homme-là, c'est lui qui a attrapé votre Dieu là qui est là. Voici votre Dieu qui est couché ici. Le voici. Voici Allah qui est là. Genou fléchi. Voici Allah. Voici Allah qui est ici. C'est lui qui est là. Vous voyez comment il est. Regardez, ça. Il est en train de faire un peu de maraboutage. Il a lancé Cori. Alléluia. Il a lancé Cori. Il est en train de lancer Cori. Vous allez nous dire que peut-être c'est un montage. Mais si vous allez regarder la vidéo depuis le début, ça n'a pas d'effet ici. Le voici. Il y a plein d'esprits. Esprit de Chaka. Esprit de Lucifer même est venu, il est parti. Plein d'esprits, esprit de mort vient de le chasser. Voilà là qui a apparu ici. Donc ça dit que tout ce temps, il était là. Regardez. Le marabout. Vous dites que Allah est Dieu. Si Allah est Dieu, là, on va faire la Dieu comme ça. Le feu dans ta vie. Et on va le chasser de vous. Le feu dans ta vie. Ça consume ta colline. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qu'est-ce que tu enterres? C'est maraboutage. Qu'est-ce que tu enterres? Fais sur toi au nom de Jésus. Fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur toi. Fais sur tout ce que tu pratiques là. Au nom de Jésus. C'est comme ça, il marche. Alors, c'est maraboutage en train de faire. Ça, ce sont ses barbes. C'est lui qui l'a dit. Pratique des marabouts là. C'est ça, il est en train de faire comme ça en direct là. C'est tout. Bien aimé, si regardez bien l'action de votre faux Dieu là. Allah. Il se dit Dieu. Parce qu'il est orgueilleux. Tu n'as pas pitié de toi-même. Allah, tu n'es pas Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Parce qu'il est écrit dans Philippiens 2, au verset 9 à 11, que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de Allah. Au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la dans terre, sur la terre plus bas que la terre. Et toute la province, que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voici Allah qui est là. Allah lui a créé Jésus là. Est dépouillé de ses armes. Il est en train de faire son maraboutage. Il est publiquement livré à spectacle. Il est en train de faire son maraboutage. C'est la honte qui le couvre aujourd'hui. Fais sur le nom de Jésus. Bon, nous n'avons plus de temps à perdre avec vous. Ah, arrête ton maraboutage. Et sors. Arrête ton maraboutage et sors. Les choses que tu as assis dessus, sur lesquelles tu as assis. Chapelé. Voilà. Vous qui allez adorer Maman Marie, vous avez même chapelé que les marabouts, les musulmans. Voici même truc quand ils sont dans les églises. Sans vous dire que quitter là-bas, vous pensez que c'est amusement. Non, vous dites qu'on sait que sont les satanistes. Au nom puissant de Jésus. Là. Maintenant, tu es bien pu. Qu'est-ce que tu vois là-bas? Au nom puissant de Jésus. Fais sur toi. Nous te vidons de toute ta substance. Fais sur toi. Fais sur toi. On va effacer toutes les marques impures. Fais sur toi. Toutes les marques impures. Fais sur toi. C'est démon. Le feu descend du ciel pour consumer la mer en ce moment. Le feu descend du ciel pour consumer ton feu. La mer. Ton feu dans le deuxième ciel, dans le premier ciel, sur la terre. Le feu descend dessus maintenant. Ça consume la mer. Ça consume la mer. Au nom de Jésus. Consume la mer. Consume la mer. Consume la mer. Le feu descend depuis en avant. Chaque année, passe ton tabac. Le croissant de chair. C'est l'étoile et la lune. C'est l'étoile et la lune. On va verser tes jours. Nous effaçons ta marque. C'est ce qui gêne dans le monde. Nous effaçons ta marque. Au nom de Jésus. Et nous écrivons maintenant. Au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus. Sur le front. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. 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 Maintenant. Nous écrivons Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Nous le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, toutes les incantations impures. Sont révoqués. C'est révoqué. Il est dit dans le livre de Nombres 23, verset 23. Uh-huh. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, oui, ni la divination contre Israël. Maintenant, tes enchantements, ta divination, nous les révoquons. Nous les révoquons. Nous les révoquons.
Nous jetons au feu son Coran, nous le ramassons, nous le mettons dans le feu, nous le brûlons d'ablution, nous le ramassons, nous jetons au feu, percez ses yeux, nous perçons ses yeux, cassons tes yeux, et nous jetons dans le feu, ton croissant et tes yeux, c'est pas ton étoile, nous te dépouillons de cela, nous jetons dans le feu, nous jetons au feu, nous jetons au feu, la voix de ce faux Dieu là, nous fermons maintenant, au nom de Jésus, la voix du magasin, un lieu de... Dieu les aime, ce qu'on appelle la mer. Nous déconnectons, nous déconnectons de tous ces lieux, de tous ces lieux. C'est au lieu de tous ces lieux de prostitution, de cellules. Nous déconnectons, nous les déconnectons de ces choses. Nous les déconnectons de ces choses. Nous mettons maintenant séparation entre lui et tous les faux dieux. Et tous les faux dieux. À partir de son conscience musicale, nous détruisons une connexion qu'il avait avec vous. Une connexion qu'il avait avec vous. Nous puissons. Prison. Prison, Jésus l'a cloué à la croix. Jésus l'a effacé à la croix. Jésus a effacé sa condamnation. Jésus a effacé sa condamnation. Certainement, ses parents ont vendu à l'islam. Mais Jésus a pardonné son péché. Jésus l'a racheté. Jésus a racheté son âme. 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 Son âme sort maintenant. Son âme sort. Son âme sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Ça sort. Au nom de Jésus. Prison tes incantations. Prison tes incantations. Nous les sans effet en ce lieu. Au nom de Jésus, nous paralysons tes
Lâche son âme. Maintenant, tes semences deviennent comme du vénin dans tes propres entrailles. Toi, démon des indiens, quel esprit es-tu? Quel est ton nom, toi qui es là? Réponds au nom de Jésus, tu réponds. Quel est ton nom? Esprit impur. Parle au nom de Jésus. Tu réponds maintenant au nom de Jésus. Il n'y a pas de réponse. Tu retournes. Tu réponds du moins. Il n'y a pas de mercy pour le méchant. Il n'y a pas de compassion pour le méchant. Esprit impur. Il n'y a pas de repos pour toi. Qui es-tu? Il n'y a pas de repos pour toi. Qui es-tu? Il n'y a pas de repos pour toi. Allez, tu bois le sang de Jésus. Tu bois le sang de Jésus. Tu es anéanti partout. Au nom de Jésus.
Casse maintenant, casse maintenant, casse maintenant, casse, 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 avec le marteau, cassons, au nom de Jésus, cassons. Dehors. Quel est ton nom? Elle sort de lui. C'est quoi, je donne le nom de Jésus. C'est plusieurs manifestations. Vous venez de dire comme un poison. Et ça commence à t'assucier. Et ça commence à te dévorer. Ça commence à te détruire. Ton propre venin te ravage. Ton propre venin te dévore. Ton propre venin te détruit. Ça te détruit. T'es jette le sang de Jésus. Il reçoit au nom de Jésus. T'embrasse maintenant. T'embrasse au nom de Jésus. Toi, esprit de Léviathan. Nom de Jésus. Il faut plier tes bagages maintenant. Pour quitter ce temple de Dieu. Maintenant que tu t'es prosterné devant Jésus. Au nom de Jésus. Face contre terre. Maintenant que tu t'es prosterné devant Jésus. Face contre terre. Tu vas lâcher prise maintenant. Tu lâches son âme maintenant. Vous laissez, vous libérer. Il faut libérer. Il faut nous faire bain ici. Lâche-le. Tu lâches tes grâces. Lâche. Il faut laisser. Il ne faut pas lâcher. Tu le lâches. Il faut libérer. Maintenant, tu as capitulé. Il faut partir. Tu reconnais ta défaite. Libère. Libère. Tu es en train de traîner André Gamel. Libère ça. Et puis tu sors. Sors de là. Retourne. Esprit de serpent. Allez, va-t'en. Sors de là. Au nom de Jésus. Rampez, tu sors d'ici. Parce que le Seigneur a dit, pour son créateur, tu vas marcher. Pour son créateur, rampez sur ton ventre. Pour son créateur. On dit que tu es. Maintenant, j'ai saisi le péché de. Et quiconque te verra va te lapider. Je la prends dans le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Il déchire. T'enlève tes intestins, tes graisses, tes écailles, tout ce que tu possèdes, ta colonne vertébrale. Nous découpons. Oui, et nous te plongeons dans le sel. Dans le sel du Tout-Puissant, il te découpe comme des vers de terre. Tu es découpé par le sel du Tout-Puissant, comme des vers de terre, dans le nom de Jésus. Ça vient t'infecter, ça vient te courir, au nom de Jésus. Ça dévore. Au nom de Jésus. Maintenant, ça dévore. Tu avais dévoré des chairs. Ça dévore. Maintenant, c'est ton tour. Tu seras dévoré. La chair sera dévorée. Au nom de Jésus. L'épée de l'Éternel te dévore. L'épée de l'Éternel te dévore. Sors. L'épée de l'Éternel te dévore. Au nom de Jésus. Sors de lui. Il n'y a point de repos pour les méchants. Dehors. Toi, Lucifer, comme ça. La normale. Emmanuel. Ça va? Attends, il y a beaucoup de feu. Feu. Ça les presse. Depuis son colon ombilical. Ça les presse.
et ça dévore tes semences. Ça dévore tes semences. Toutes tes pourritures, toutes tes pourritures que tu as semées en lui, tout prend feu. 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 Et pendant que ça prend feu, ça remonte. C'est pendant que ça prend feu, ça remonte. Et pendant que ça prend feu, ça remonte. Pendant que ça prend feu, ça remonte. Ça remonte, ça sort. Ça remonte, ça sort. Bon, bien. Ça remonte, ça sort. Allez, lâche tes semences. Allez, lâche tes semences. Famille! Fais sortir tes semences. Fais sortir tes semences impures. Fais sortir tes semences impures. Et tu disparais. Et tu disparais comme une fumée. Fais sortir tes semences impures. Fais sortir tes semences impures. Fais sortir tes semences impures. Allez, fais sortir tes semences impures. Fais sortir tes semences impures. Fais sortir tes semences impures. Tout prend feu. 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 Ça prend feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton jugement. Aujourd'hui, c'est ton jugement. Aujourd'hui, c'est ton jugement. L'Éternel se lève contre toi. La fureur de l'Éternel se lève contre toi. La colère de l'Éternel se lève contre toi. Selon qu'il est écrit dans Isaïe 6, verset 15 à 16, c'est par sa colère qu'il exerce son jugement. C'est par sa colère, il existe son jugement. Comme il vient, sa colère vient comme un brasier, un feu. C'est par son glaive qui châtie toute chair. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Vomis le reste de tes semences. Sois un grand homme. Maintenant même. Au nom maintenant de même. Jésus. Maintenant même. Fais sortir tes semences. Ça sort. La semence du serpent. Fais sortir. La semence du serpent et puis tu t'en vas. Fais sortir. Fais sortir toutes tes semences. Fais sortir maintenant au nom de Jésus. Toutes les pourritures. Fais sortir. Allez, libère. Libère. Tes semences et puis prennent feu. 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 Allez, lâche-les. Allez, lâche-les. Ça remonte. Ça remonte, ça sort. Par le vomi. Tu les libères. Libère. Allez, sors. Libère. Allez, chanter. Libère. Et pendant que tu vomis tes semences, tu plies bagage. Tu t'en vas à même. Tu plies bagage et tu sors. Le temps n'est pas pour toi. Emmanuel ne t'appartient pas. Au nom de Jésus. Jésus l'a racheté. Serpent, Jésus a payé son prix. Jésus a payé le prix pour lui. Oh, tu t'en vas. Maintenant, Jésus le remplit d'amour. Quitte ses profondeurs et tu d'amour. Sors. Jésus le remplit d'amour. Toi, tu ne connais pas l'amour. Au nom de toi, Dieu. Tu connais la méchanceté. Regarde, Jésus le remplit d'amour. L'amour de Jésus le remplit. Il est rempli d'amour. Son cœur déborde d'amour. Le pardon vient. La douceur. La fureur, ça va. La colère, ça va. Regarde, la colère, ça va. Maintenant, Jésus le remplit d'amour. Jésus le remplit de douceur. Jésus le remplit de sainteté. La sainteté, la droiture, la justice, l'équité, la fermeté. Maintenant. La fidélité. Maintenant, toi, tu ne peux plus cohabiter avec la maintenant, tu es puisque problèmes. Toi, tu es la colère. Toi, tu es la haine. Toi, tu es la méchanceté. Toi, tu es l'injustice. Toi, tu es la souillure. Tu ne peux pas cohabiter. La Bible déclare qu'il n'y a rien de commun entre ténèbres et lumière. Il n'y a rien de commun entre ténèbres et lumière. Et puisqu'il n'y a rien de commun entre ténèbres et lumière, tu le lâches maintenant. Tu sors de ma vie. Tu sors de sa vie. Tu disparais comme une fumée. Elle disparaît comme une fumée. Maintenant que tu as vomi tes semences, maintenant que tu as fait sortir tes pourritures, maintenant que tu es déconnecté de ta base, tu ne peux plus communiquer avec ta base. Tes vêtements ont été arrachés, jetés au feu. Maintenant que tes instruments d'adoration ont été détruits, maintenant même, nous te déchargeons, nous arrachons tes charges. Toutes les charges, les missions qu'on t'avait confiées, que tu avais confiées dans le monde des ténèbres, nous retirons ces missions, les jetons au feu. Nous retirons ces missions, les jetons au feu. Nous les dépouillons, nous retirons tout, nous jetons au feu. Toute alliance avec le monde des ténèbres, avec un esprit quelconque, nous retirons tout, nous jetons au feu. Nous retirons tout, nous jetons au feu. Nous arrachons tout, nous jetons au feu. Nous plongeons ses mains dans le sang de Jésus. Nous plongeons ses pieds dans le sang de Jésus. Nous le plongeons dans le sang de Jésus. Emmanuel est couvert dans le sang de Jésus. Emmanuel est rempli. Il est couvert par le sang de Jésus. Maintenant, toi, tu ne peux pas cohabiter avec le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus t'entend maintenant de sortir. Le sang de Jésus t'entend de le lâcher. Allez, lâche-le. On le sort. Tu disparais.
disparais maintenant. Tu disparais maintenant. Tu t'en vas dans les lieux arides. Tu sors. Regarde. Tu retournes dans les abîmes. C'est là que tu as demeuré. Il m'a ouvert sa bouche. Et elle t'attend. La place qui t'a été réservée en tant que méchant. Jamais comme une fumée. En tant que maudit. Tu disparais comme une fumée. L'éternel a maudit. Au nom de Jésus, elle sort. Elle sort de lui. Sors. Vous sortez, quelque chose maintenant. Vous sortez de lui 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 maintenant. Nous t'injectons le sang de Jésus. Tu reçois le sang. Le Seigneur va sa sirène. Il te transfère son sang. Il t'ouvre le corps. Et il te met le sang à l'intérieur. Au nom de Jésus, le Seigneur Jésus te fait maintenant une transfusion sanguine. Le Seigneur Jésus te fait maintenant une transfusion sanguine. Et tu es maintenant dans le sang de Jésus. Tu es inondé du sang de Jésus. Merci Seigneur. Tu es inondé du sang de Jésus. 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 Tu es inondé du sang. Le sang. Le sang. Le sang. Ça te guérit. Ça te restaure. Ça te purifie. Ça te ramène à l'état naturel là où le Seigneur t'a donné. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Satan. Le diable. Le serpent. Tu t'en vas dans le lieu. Sors. Sors, nom de Jésus. Emmanuel sort de ce tombeau. Son âme sort de votre prison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est réveillé. Emmanuel. Au revoir encore. Ça va. C'est devenu un peu faible. Emmanuel, c'est toi. Laisse-moi attendre. J'arrive quelque chose contre toi. Emmanuel, tu étais où? Emmanuel, c'est toi? Tu étais où? Son visage a pas rempli. Tu as senti quelque chose? Vous pouvez le direct là. Vous pouvez le direct. Terminé.